2 heures et quart. Ok. Ah. Les fameuses graines du sacrifice, je suppose. Tiens, prends un poisson. Non? Bah, il me faut... Du coup, j'avais versé de l'eau. Est-ce que ça y est toujours? Bon, on va attendre un petit peu. Qu'est-ce qu'il disait sur... Non, les graines puis de l'eau ou des... C'est de l'eau ou des larmes, enfin. On va chercher, on va aller rechercher de l'eau. Génial, donc j'ai un macabé dans la pièce. Tout va bien, mais tout va bien. C'est. Il est bien ce jeu. Et là, je suppose qu'il faut aller dans le monde des geckos, du gecko pour aller voir ce que ça donne, c'est ça? Certainement. Mince. J'ai le verre. Qu'est-ce que fout un verre dans une plante, je vous le demande. Bien, allez, monde suivant. Ok, on a l'adresse Gmail là. Qu'est-ce que tu racontes? Rien, t'as rien à dire. En même temps, t'es un lombric, c'est normal. Bon. Ah, on est proche du sol pour le coup là. Ok. Hein? Non? Non? C'est un tournevis qui va me falloir quelque chose. Alors justement, tout à l'heure j'y ai pensé s'il y avait quelque chose sous le meuble. Mais visiblement il n'y a rien. T'as cet effet de flou là pour bien montrer qu'on est proche du sol. Oh, ça va être dégueulasse. À l'aide. Je peux pas cliquer assez vite, c'est ça?
Ok. Alors. Yes. Je me souviens, le premier monde qu'on a visité, c'était ce symbole-là. Le deuxième, c'était le carré. Le troisième, c'était le triangle parapluie. Et le quatrième, c'est l'enveloppe. Ok. Bon. Il manque des choses. Donc ça, c'est bon. Donc, il y en a un que je n'ai pas... que j'ai pas repéré. Ok. Ah mais... D'accord, ok. C'était un indice sur l'ordre, les lucioles. Mais je me doutais bien que c'était l'ordre dans lequel on avait visité les mondes. Donc, le humain, poisson, le lézard et maintenant le lombric. C'était un peu évident l'ordre, mais bon, ok, d'accord. Ok. Allez, on ressort de... J'ai quand même vérifié que ici... Non, il n'y a rien, il n'y a rien. On se barre de ce truc super glauque. Ah! Ah oui, j'avais pas pensé à ça, mais on pouvait récupérer le couteau. Bon. La pétale, s'il te plaît. Bon, ok. Oh. Eh bien, j'ai bien fait de récupérer le couteau. Et du coup, vu que j'ai le couteau... Ok, il fallait cliquer plusieurs fois. Alors, la question. Parce que là, j'ai un œuf, là. Ah non, putain, d'accord. L'œuf, ça va être le prochain objet. Bah, on peut déjà le mettre, parce qu'à la limite. C'est ça. Ça va être le prochain monde.
Y a un truc qu'on n'a pas vu. Mais oui, si, si, c'est ça, c'est l'adresse mail, hein, ça, on a vu. Et il n'y a rien sur les contours. Ça, on a fait. Il manque ça. Il y a que là que j'ai pas. Il y a que là que j'ai pas la pétale. Mais enfin si, j'ai eu la pétale qui est passée rapidement, quoi, mais non, mais c'est pas possible. Oh, bon. On va retourner au cas où j'aurais oublié quelque chose par là. Parce que par là, il y avait l'œuf. Aurais-je oublié la pétale ici? Monsieur, vous avez des corbeaux dans le bide. Non, j'ai rien oublié nulle part. Y a que ce truc là, mais je peux pas ouvrir les tiroirs. Je n'ai pas la possibilité d'ouvrir les tiroirs. Ou alors. Après, il y a ça, mais j'avais réussi, donc je vais bien refaire le puzzle, hein, pour voir. De toute façon, il est pas très très compliqué, mais. Non, voilà quoi, c'est pas. Donc ça, c'est fait. Il me manque une pétale. Donc ça, j'ai récupéré dans le livre. Le monsieur, c'est fait. Et il me manque la l'étagère. Et donc là, je suis coincé dans ce monde. Parce qu'actuellement, je n'ai pas la quatrième pétale. Quoi est-ce que ça peut bien être, putain? Ah, purée. Allez, on va visiter le. Mince. On va visiter le monde de l'œuf. Ok, croix, je suppose. Je me sens libre. Ok, super. Alors pourquoi décrocher?
mon avis, on verra ça plus tard. J'ai pas regardé le symbole par contre. Y a pas de symbole ici. Je me souviens plus du nombre de. Ok. Je suppose que lui veut une noisette. J'ai un poids. Le hibou a regardé. Ah. Après le coucher. Parce que j'ai la flemme de traduire là pour le coup. Après le coucher du soleil, durant la soirée. Le hibou a volé vers moi dans l'air nocturne. Je n'avais jamais vu une lune aussi grosse. Le hibou a regardé à droite, tout en déployant ses ailes. Puis il s'est de nouveau tourné vers moi et a dit. N'oublie pas ton but. Il a regardé à gauche et a dit, tu dois te transformer, atteindre l'illumination. Il a planté ses yeux dans les miens à l'heure où le soleil se lève. À l'heure où le soleil. Ouais, ok. Il a tourné la tête dans son dos. Et l'instant d'après, il a disparu. Après-midi, 14h évidemment. Bon, le soir, la nuit, le matin, durant la nuit. Bon, là, ça me paraît compliqué. Pour moi, j'ai récupéré aucun élément. Ah. Alors, si je te dis, du coup, 5 heures à peu près, non? 6 heures, 7 heures à peu près. À peu près 7 heures, ça doit être la soirée. Non? Bon, il me parlait de 14 heures. Donc déjà, premièrement, on va peut-être sélectionner 14 heures, tout bêtement. Oui, non, peut-être. On va mettre 14h. Bon. Et le corps de la. Non, on me dit rien. Ok. Donc ça, on a visité, hein. On a tout vu là-dessus. Ça, c'était. Durant la nuit, blablabla. Ok. On a un pot aussi, hein. Faut pas que je l'oublie. On va le mettre à la place de la. À mon avis, on va retourner là. Et pour le moment, on va faire ça. En vrai, je vais mettre les trucs de. Les trucs de monde ici. Les items de monde, je vais les mettre à droite.
Comme ça me permettra de vraiment bien voir. Si je te donne le poids, toi, tu me diras, tu me donnes rien, non? Bon. Pour moi, on est en soirée, quoi, mais minuit, non. Voilà, j'ai indiqué 14 h, mais il semble rien se produire de plus. Non, avec les poches, pas rien faire. Le poids, c'est pas un objet monde, donc on s'en fiche. On va mettre le cœur parce que je pense qu'on va repartir par là. Qui est de 100 livres. Eh bien, c'est bien. Oh! Non? C'est pas ça. Eh ben ça, je sais pas. J'ai plus mon bocal d'ailleurs. Je viens de réagir à ça. Pour moi, il y a un truc à faire avec l'horloge. C'est où l'arme? Le tiroir là. Hop. Donc ça, c'est ok. Alors, attendez, par contre, je regarde un truc, mais oui, c'est ça, hein, on est d'accord. Oh, attendez, 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 attendez. J'ai compris. Non, je sais pas pourquoi je peux pas le mettre, mais normalement. Le cœur, faut que j'aille récupérer le cœur. Faut que j'aille récupérer le cœur. Non, je peux pas mettre le cœur. Est-ce que je peux mettre le... Je peux rien mettre, je peux pas mettre les poids, le... Mais ça, c'est 1 heure. C'est 1 heure, ça. Le poids est égal à 1, mais le poids de quoi? Le poids du lombric, par exemple, c'est ça veut dire 1. Qu'est-ce qui serait le plus lourd après? Est-ce que ce serait 1, 20?
Pour moi, dans l'ordre du plus lourd, enfin du plus léger au plus lourd, hein. Pour moi, je pense que c'est lombric, lézard, cœur, poisson. Pour moi, le poisson serait plus lourd que le cœur. Du coup, ça fait 13h24. Pour moi, ça serait ça. On peut essayer ça. 13h24. Mais pour moi, c'est un peu débile, mais... Enfin, 13h25, quoi, on va dire, parce que... Ou si le cœur est plus lourd, on est à 15h, on est à 14h23. On est à 14h20, quoi. Et le truc, c'est qu'on peut pas comparer le poids avec quelque chose. Mais pour moi, vu qu'il y a les deux points, en fait, c'est clair que c'est 1 heure. Donc si on part dans l'idée que le lombric vaut 1, je vais pas refaire du... Écoutez, je vais faire du forcing de 1 à 3 heures. On verra bien si ça me sort quelque chose. J'ai l'impression que le jeu détecte quand je fais du forcing. Ah, ça me flingue! Oh, tuez-moi!
Allez, c'est bon, hop, j'ai fait le tour, allez. Et eux là? Non? Parce que je peux même pas switcher entre le jour et la nuit. Là, je suis de jour, quoi, hein, on est d'accord. Lui, il a une plume, là. Je suis bloqué dans ce monde, hein. Je peux pas en sortir. Pour moi, les indices sont clairement ici. Qui regarde à droite, puis moi je regarde à gauche. Moi je veux bien, hein, mais puis là j'ai aucun symbole sur ce monde-là. J'ai pas de symbole, j'aurais pas dû peut-être sauter à pieds joints ici. Je vais laisser 14 h pour le moment. Que ça. Ah d'accord, non, c'est la gueule du poisson. Ah, je commence à désespérer là. J'ai tout essayé. Les couteaux sur les câbles. Pour essayer de prendre les crochets. Non. J'ai. Non, le gecko, l'œuf, le. Je... Oh putain.
Ah. J'en sais rien, qu'est-ce que j'en... À chaque fois, je clique sur celui qui... Est-ce que c'est un code? Est-ce que c'est... Est-ce que ça signifie quelque chose? Est-ce que... Je sais pas, si je clique sur un autre... Je sais pas. J'ai fait un truc. Toi, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux du poisson? Non? Il y a un code. C'est pas ça. À chaque fois, je dois cliquer sur ce que je n'ai pas encore vu. Donc là, pour le moment, il y a l'oiseau avec le bec ouvert. Ensuite, il y a un rouge-gorge. Il y a un rouge-gorge avec la gueule ouverte. Là, il y a un gorge gris. Un gris-gorge. Là, il y a un doigt que je n'avais jamais vu avant. Là, il y a une noix... Ah d'accord, qui a la gueule ouverte. Ensuite, c'est une noix avec la gueule fermée. Qui regarde vers le haut. Donc là, j'ai l'oie qui regarde vers moi. Et j'ai une plume. Oh, cet enfer! Mais cet enfer! Mais... Salut! Tiens, est-ce que tu veux une deuxième plume? Non? Bon. Alors, je suppose... Simple suggestion, hein. Est-ce que... Bon, pour moi la plume... ouais, m'en doutais, ça va là. Donc il faut que je récupère 4 plumes. J'ai déjà une première, je sais que l'écureuil en a une seconde. Sachant que j'ai sacrifié l'œuf là, hein, donc je ne pourrais pas revenir ici. Excusez-moi, je reçois des messages. Rien d'important.
Ça m'aide pas beaucoup. C'est rien, si je mets 6 heures. Après, je suis en train de réfléchir à un truc. Mais ici, là. Il y avait des chiffres qui correspondaient à ça. Le cœur, c'est le 1. 1, 2. Mais ça ne peut pas être un 2 ici. Pour moi, le poisson vaut forcément 5. Parce qu'il ne peut pas valoir 0. Et les heures, de toute façon, c'est forcément des minutes qui vont de 5 en 5. Admettons qu'on part toujours sur le principe, hein. Le lombric vaut 1, admettons. Le poisson vaut 5, admettons. La question c'est, est-ce que le cœur, quand je vois la taille du poisson, ça a l'air d'être un thon, ça, hein, le cœur, pour moi, il est plus léger, donc. Donc moi j'essaierai 25, quelque chose 25. C'est soit 14h25, soit 14h25. On va essayer toutes les heures, quelque chose 25. On va voir. Je vais me remettre à minuit. Allez. Voilà. Et on va se mettre à 25. Hop, ok. Pour le moment, il se passe rien. Ok. Ensuite, j'avance encore d'une heure 25. 25. 25. Non. J'ai l'impression que. Si je fais du forcing, j'ai l'impression que le jeu le détecte. C'est que si je fais du brute force, le jeu. Il a l'air de le détecter. J'ai fait le tour. On va essayer écart. Trente-cinq. Oh, ça me flingue.
Je commence sérieusement à l'avoir marre en fait. Je vous avouerai. Pour moi, c'est la seule indication d'une heure qu'il y aurait. Ouais, puis je me plante dans les heures en même temps, donc. J'ai quasiment fini. Allez, hop. Cinq, 55, allez, c'est bon, je suis de retour à minuit 5 là. Si je coupe sa branche. A d'autres, hein, que ces trucs-là. Il va pas cacher un truc, pas cacher une. Et le truc violet, je peux pas le déplacer. Enfin, le truc rose, je peux pas le déplacer. Oui, alors ça, merci, je sais. On va le fermer d'ailleurs, ça. À chaque fois que je clique dessus, même à travers le tiroir, ça le prend, quoi. Bon, donc il y a ça. Et ça. N'y a que ces deux éléments-là dans les tiroirs. J'ai ces deux crochets là. Je sais pas à quoi ils servent. Je peux pas y accrocher le poids, ni à l'un ni à l'autre. J'ai essayé ce que j'appelle les objets mondes. Je peux pas les mettre dessus, même pas le poisson qui serait un peu pertinent. Ah! Il y a un truc là, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Oh! Je niquais ta mère, sale jeu! Jeu de merde! C'est quoi ça? Mais c'est 7h25, fin! Donc le jeu détecte quand on fait du bruit de force. Vous sentez la folie m'atteindre petit à petit? Qu'est-ce que c'était? Non, 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 je veux ça.
Ah, il est plus là le. Hop, super. Allez. Un avion papier. Rise up. Donc, se lever dans le sens se révolter. Ah oui, il y a aussi élève-toi, oui. C'est s'élever, mais ça peut être aussi interprété comme. Ok, ça je peux le déplacer. Ah. Non, je peux pas mettre le tournesol là. Bon. Non. Bon, il y a le. Donc ça, ok. Est-ce que le tournesol, je peux le mettre là? Non. Est-ce que le tournesol est un objet monde? Non, c'est pas un objet monde. C'est un objet utilisable. Dans le cas, je vais mettre cette plume ici. Alors, ça, c'est un objet monde, je vais le mettre là. Donc, j'ai une sorte de soleil là, une sorte de. Je peux pas le mettre plus à gauche que ça. Est-ce que le contenu du tiroir a changé? 19h25. Ok, d'accord. Donc, par contre, il met à jour. Il met à jour mes découvertes. Bah, je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire à cette heure-ci. Raise up. Le téléphone.